Depuis notre vision nord-américaine, la mention de l'Amérique du Sud évoque souvent les belles plages ensoleillées où les chanceux se rendent annuellement. Le Sud, c'est aussi, dans notre imaginaire, la passion du soccer, le football, comme l'appellent les Sud-Américains, le quotidien rythmé par la danse, la nourriture épicée et les cocktails fruités. C'est dans ce continent qu'on retrouve la région andine, une région qui, d'emblée, nous fait penser à la cordillère des Andes, aux montagnes interminables et impressionnantes. Quand on pense à l'Équateur, la Colombie, la Bolivie et le Pérou, on pense souvent au mythique Machu Picchu, au site touristique du lac Titicaca, aux merveilleuses cités d'or. Mais on a aussi souvent l'image de l'Andin typique. Au terme andin, on associe souvent un paysage montagneux et vert dans lequel un autochtone vêtu de tissus de couleurs vives joue de la flûte de pan. Simpliste comme image? Oui, sans aucun doute. Mais les stéréotypes sur lesquels sont basées plusieurs de nos idées préconçues le sont souvent. Quand on décide d'aborder une thématique depuis un point de vue anthropologique, on se rend compte qu'il y a une multitude de détails qui se cachent derrière nos stéréotypes. On est donc amené à découvrir et à essayer de comprendre des particularités culturelles propres à cette partie du monde. Des particularités qui se présentent notamment dans la richesse historique de l'Empire Inca, qui, bien avant la conquête espagnole, habitaient le territoire et développaient des technologies qui, encore aujourd'hui, nous impressionnent. Mais l'Amérique andine, c'est surtout la diversité ethnique. Une diversité qui a, elle aussi, été marquée par le processus de colonisation, mais aussi plus récemment par tous les mouvements migratoires et de déplacements humains qui prennent place actuellement. Des déplacements qui sont souvent liés au conflit colombien qui, bien qu'il soit interne à la nation, déborde dans les pays voisins. La diversité prend aussi forme dans des mouvements de revendication, par exemple, ceux des groupes autochtones ou ceux qui visent l'obtention et l'amélioration des droits des femmes. C'est donc une région du monde qui est marquée non seulement par une grande diversité, mais aussi par des changements sociaux. Et le cours d'anthropologie de l'Amérique du Sud va vous permettre, justement, d'explorer anthropologiquement la multidimensionnalité de cette magnifique et complexe région.